Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler dans Unreal Engine et regarder donc le plugin, mettre en place le plugin OSC Server qui va permettre donc de lier des inputs en temps réel à Unreal Engine. Alors des inputs donc qui vont venir d'éléments de captation comme ben, classique le clavier et la souris bien entendu, mais casque VR ou fichier musique ou clavier pour la musique par exemple, et qui vont permettre de modifier des éléments comme on le voit ici en temps réel. Donc ici la musique fait varier les couleurs donc de la light et les hauteurs donc des différents éléments ou taille donc scale du cube au centre. Donc on va pouvoir donc interagir entre des inputs de manière donc directe dans Unreal Engine, encore une fois avec différents types d'inputs hein, comme ce que je viens de citer. Donc on va regarder la mise en place donc de ce système là et la mise en place donc du plugin OSC Server qui est donc déjà implémenté dans Unreal mais qu'il faut donc enclencher. Donc on va regarder ça. Donc dans un premier temps il faut enclencher donc le plugin, donc dans la version 5 de Unreal, hein, Project Plugin ici, Edit Plugin, et on va venir donc chercher OSC Server. Ici, donc on a plusieurs, donc celui qu'il faut donc enclencher, c'est le premier ici, Open Sound Control, qui va donc permettre de manager donc des messages d'input, hein, de recevoir des messages donc en input via le serveur qu'on va lui donner. Ici on va le faire sur un seul PC et on va donc avoir donc ces entrées et récupérer des valeurs, des variables, comme on va le voir avec le Touch Designer, le logiciel qui va envoyer les informations. Donc on enclenche ici donc OS Server ici, Open Sound Control. Ok, on reboot le Unreal et donc on peut mettre ça en place. Donc je conseille de regarder la doc puisque c'est un plugin existant déjà donc dans Unreal. Il y a un bout de doc dans Unreal qui est très bien fait. Donc cette doc, donc OSC Plugin Overview ici, permet de pouvoir commencer à poser les bases. Alors donc bon voilà l'explication de l'OSC serveur ici, le client, les messages et surtout ce qui est important c'est que on va pouvoir donc avoir des ressources exemples ici qu'on va pouvoir copier pour éviter et comprendre bien sûr comment ça fonctionne, mais éviter donc d'avoir à reconstruire éventuellement, on fait copie d'un graph ici et on va pouvoir donc réutiliser des bases ici que l'on va donc continuer à construire. Donc ça c'est du côté donc Unreal Engine. Maintenant il faut trouver donc un logiciel, et il y en a plusieurs, qui permettent donc de récupérer des informations donc d'input, hein, que ce soit avec un clavier, encore une fois, que ce soit avec des bandes son, des fichiers son, d'autres types de fichiers du reste, et puis un casque VR, que ce soit avec récupérer donc les informations de la manette, des deux manettes, left et right, ou d'un Oculus Rift par exemple, là, ça marche très bien. Donc on peut récupérer les différentes informations en temps réel à travers un logiciel qui va envoyer à travers le serveur et le plugin donc au SS serveur vers Unreal Engine. Donc alors il y a plusieurs types de logiciels. Ici je vais utiliser Touch Designer, il y en a d'autres, il y a Max aussi qui permet de MSP, Max MSP qui permet aussi de le faire. Touch Designer est assez intéressant du point de vue des fonctionnalités à utiliser ici. Donc voilà, donc c'est une interface relativement simple, hein. Je ne vais pas trop la décrire pour pas trop perdre de temps, on pourra y revenir dessus sur un prochain tutoriel. C'est donc un logiciel nodal qui, de manière assez simple, comme des logiciels comme Houdini ou comme les blueprints de Unreal, permettent de connecter donc des informations de node en node et les transformer. Donc ici, de manière assez classique, je vais avoir un input donc d'un fichier audio file in ici. Donc ici, c'est
un waterfall, donc des chutes d'eau qui sont assez saccadées, qui donnent ce type de fichier. Je vais ensuite avoir donc un fichier donc d'analyse du son qui va me permettre de sortir donc des informations de type low, mid, high, ici et différents éléments du son que je vais pouvoir donc comme paramètre ensuite utiliser donc les sortir différemment ici avec des selects donc des nodes select. Alors juste pour ce passage en revue, Justin, bien sûr, sur Touch Designer, on fait la même chose que dans Houdini, Tab ou Blueprint, et on a l'ensemble des nodes possibles qui sont classés par catégorie fonctionnelle, comb, top, chop, sop, et ainsi de suite. Donc là, on est dans le chop, dans les channels opérateurs, comme dans Houdini, hein, dans les channels opérateurs, et on va, ouais, par exemple, voilà, l'Oculus Rift ici, c'est l'entrée, OpenVR aussi, et puis on a Audiophile, donc ici, Audiophile In. Et on va avoir donc le select ici qui va permettre de sélectionner donc un channel, donc une variable, on va dire, un channel que l'on va donc sortir ici et éventuellement appliquer une opération mathématique. Donc ici par exemple, si je prends le lot, alors hop, il y a une opération de trop qui traîne, mais c'est pas grave. Et donc par exemple, ici on va avoir une opération mathématique de range, donc ça rentre avec 0 et 1 et ça sort avec 0 et 10 pour l'amplifier. On aurait pu multiplier par 10 par exemple, des choses comme ça. Donc tout ça va être ensuite récupéré donc par un élément qu'on appelle donc constant qui va récupérer les variables et on va faire un chop référence sur ces variables-là. Bon, ça, je vais juste prendre 30 secondes pour faire la manip et l'expliquer parce que c'est quelque chose qui est moyennement bien expliqué dans la doc de Touch Designer et qui peut poser problème. Parce que ce qu'il faut, c'est avoir un node constant ici, dans Touch Designer, pour ensuite pouvoir donc alors merger ces constants, on voit que j'ai un node constant ici, pour pouvoir ensuite les sortir ici, OS, C out ici. Mais le channel ici des maths, par exemple, hein, doit arriver dans un constant. Donc normalement, le constant, c'est une valeur que l'on met. Si je prends un constant, ici, constant, voilà, ok, je le mets ici de côté, c'est une valeur que je vais rentrer. Je vais d'abord la nommer, donc on verra qu'il faut bien nommer les variables pour les retrouver dans Unreal, hein. Mais ici, je vais l'appeler test, par exemple, hein, test, voilà, et je vais lui donner une valeur. Donc c'est moi qui lui donne une valeur donc au départ. C'est ça un constant. C'est dans les logiciels classiques, c'est on donne une valeur. Et donc cette valeur-là, je peux la sortir avec OSC out ici et la retrouver donc dans Unreal. Et je pourrais de manière interactive revenir sur cette valeur avec Touch Designer qui est lancé, parce qu'il fait play ici, hein, donc je peux le poser, donc ça s'arrête d'envoyer l'information du son et le relancer ici. Et donc cette valeur-là test, je pourrais donc de manière interactive la changer si elle est connectée à une variable donc comme l'intensité, la couleur ou le scale d'un objet, eh bien ça changera. Donc ça c'est la première méthode. Mais si on a un input dans le son, on arrive déjà avec des valeurs low, height par exemple qu'on a récupérées avec le select. D'accord? Donc, hop, ici, je reviens. Donc, les selects qui ont permis de sortir donc des valeurs qui nous intéressaient en analysant l'audio. Et donc, ici, je vais arriver donc sur le constant. On voit que j'ai des pointillés du reste sur le constant, alors que j'ai des lignes continues sur les autres. Donc, l'information est bien envoyée. Ici, l'information est envoyée un peu de manière bizarre en fait, bizarre, spécifique, et qu'il faut bien connaître. Donc la manip, en fait, c'est qu'on va faire une référence. La variable va devenir une référence, enfin le constant, ici. Donc ici, j'en ai 3 que j'ai créés pour les RGB. Donc je vais utiliser le low, le mid et le height pour les connecter du son, pour les connecter sur RGB. Et donc pour ça, je vais faire donc un chop référence. Donc ici j'ai mon channel qui est le low par exemple. Donc je fais bouton droit à la souris donc view. Là j'ai mon low et je vais faire donc drag and drop,
sur le node constant. Et quand il apparaît en haut à droite, alors on ne le voit pas totalement. Ici, je vais réduire la fenêtre d'abord. Hop, voilà, pour qu'on le voit mieux. Ici. Donc, je refais la manip. Bouton dans la souris, view. Et ici, drag and drop, donc sur le node avec le bouton gauche de la souris, drag and drop. Quand j'ai la flèche et le plus, je peux aller chercher, donc ici, par exemple, la valeur. Je relâche dessus et il va me proposer différentes possibilités. Donc la bonne possibilité, c'est chop référence ici, channel opérateur référence qui va servir de le constant va servir de référence donc à la valeur avant donc ici. Et donc maintenant, si je fais play, on voit que les valeurs ici changent comme celles juste avant de mat 3, mat 4 et ainsi de suite. Donc on a bien collé la référence ici de la sortie de mat 3 low dans le LVL1 light R que j'ai appelé comme ça. Voilà. Donc j'ai nommé voilà, LVL1 light R, LVL1 light G et B. Et ici les trois canaux, je vais récupérer. J'aurais pu appeler ça test slash R. Donc voilà, on met des slash pour bien nommer, comme ça nous permet d'avoir à la fin différentes références RGB. Ok, mais la nomenclature, on peut mettre celle que l'on veut ici dans le name 0, 1, 2 des constants. Ok, et donc à partir de là, eh bien on va merger éventuellement ces différents constants. Donc on récupère donc un ensemble de valeurs. Donc on a le RGB, le size, le int qui sont travaillés au-dessus de la même manière. Et on sort avec un OS, SC out 1 ici. Et on a toutes les valeurs. Alors, dans le OSC out ici, il va falloir caler le network port, donc ici 7000, par rapport donc à Unreal Engine. Donc maintenant, on revient sur Unreal Engine. Et sur Unreal Engine, en fait, on va donc là, si on fait play, voilà, on a le mouvement donc du size, de la couleur et tout ça qui fonctionne. Ok, ici. Et donc, on va venir créer donc un blueprint. Hop, ici, voilà. On peut réduire. Voilà, on va créer donc un blueprint et on va venir donc dans un premier temps copier donc cette partie du code qu'on a regardé, donc on a vu dans la doc. Donc sur la doc, on va venir sur Binding an event to all message ici et on va venir donc parce que ça va nous permettre de créer donc le serveur dans le blueprint. Donc, on va faire copy node graph ici. Donc copie, CTRL-C, CTRL-V ici. Et on va venir ensuite donc hop, dans un blueprint. Donc on va créer donc c'est cette partie, binding to any message. On va venir le coller donc à un événement, donc event begin play, donc au départ. Ici, on va venir donc créer d'abord dans un premier temps create au SC serveur. Ici, on va taper donc l'adresse 127.0.0.1 et surtout le port 7000 de telle manière que ça puisse communiquer avec Touch Designer où on aura mis la même valeur. Donc ça permet donc de faire un set ensuite du serveur ici et de pouvoir donc recevoir donc les messages. Donc ensuite on a donc un ensemble donc de nodes qui permettent de récupérer donc les messages et éventuellement donc d'afficher ici donc des valeurs ici que l'on aura pris donc en charge. Ok, ici, hop. Donc là, avec les différents nodes que l'on va avoir, get message address, il va récupérer donc le message par rapport à l'adresse, convertir donc l'adresse en un string ici et obtenir donc par rapport donc ici au message, obtenir donc l'information, donc la valeur correspondant au message.
donc ici get message float at index ici, et on va le rajouter donc le message et la valeur ensuite, donc avec un append ici qui va construire donc le string que l'on veut donc afficher avec print string ici. Donc du coup, quand on lance, comme ça nous permet de voir si ça fonctionne. Quand on lance donc en ayant mis ça en place, on doit avoir donc là sur le côté en print donc adresse de point l'adresse, le message LVL1 cube1 size, la valeur value qui va changer. Alors elle change en fonction bien entendu donc de la musique du fichier wave que l'on a mis en place en permanence ici. Donc on voit bien que les valeurs arrivent donc dans le blueprint à travers donc oui, bon, on le voit ici à travers le fait que on a créé donc Begin Play, on a créé donc l'OS serveur ici, et que voilà, on a donc sur cet événement en message resaves, on a donc ce pipeline là qui se met en place, qui permet donc de lire le message, de lire donc la valeur du message, et de bon, ici de le faire apparaître, de le printer directement à l'écran. Ok, donc à partir de là, à partir de ça, quand on sait que ça s'est mis en place, on sait qu'on va pouvoir récupérer donc des informations. Hop, je stoppe ici par rapport au message ici qui est envoyé par le serveur. Donc du coup, ici ce que l'on va faire, c'est que on va venir donc à partir du serveur qui est créé, venir donc à chaque fois donc en mettant un event tick. Si c'est valide, c'est-à-dire si le serveur existe, donc ici on confirme, à ce moment-là, on peut donc venir créer une séquence ou une seule opération, mais ici j'ai fait une séquence pour avoir donc plusieurs donc opérations les unes à la suite des autres, et à chaque fois on va venir donc lire donc l'adresse, comme on retrouve donc voilà celui-ci. En message received address pattern ici on va pouvoir lire donc le message ici avec donc une compilation de nodes que l'on va donc préparer au début, qu'on va faire une fois, et ensuite on va faire un collapse. Donc ici je l'ai déjà fait à l'intérieur, donc on va retrouver donc l'input, donc le message qui arrive, convert string to OSC address ici. Et on va venir donc ensuite faire un bind event to OSC address pattern match path. Donc ça, ces nodes-là avec OSS serveur ici. Donc bien sûr, il va falloir créer une variable OSS serveur. Ok, voilà ici OSS serveur que l'on va pouvoir donc récupérer. Alors cette variable-là, on la set. Hop, oh, pardon. Je reviens, je suis là, je reviens là, Event Graph. On la set ici. Hein. On le crée et on fait set OSS serveur. Donc du coup, on peut faire un get OSS serveur ici dans le collapse des nodes que l'on a fait. Ici, voilà. Ok. Ici, on le récupère OSS serveur. Ok. Donc ici on va utiliser donc le deuxième copy de notre graph ici, donc binding an event to address pattern ici, qui va nous permettre donc de venir créer donc alors hop, je reviens sur voilà ici, de créer donc cette série de nodes ici que l'on va pouvoir mettre en place. Donc en input, donc on convertit donc le string ici du message venant du serveur donc to OCS address, et on fait donc un pattern donc ici un motif avec donc l'OCS serveur, ce qui va permettre donc d'avoir une deuxième exécution ensuite, de pouvoir récupérer donc le message donc de cette adresse.
Enfin, le message, oui, le message de cette adresse et le message, la valeur, pardon, ici qui en sort donc du message value ici. Donc ces valeurs, ces quatre, enfin ces six nodes, on va les compiler. Enfin, les input-output, c'est plutôt les quatre nodes au centre et on fera input-output comme montré ici, de telle manière de pouvoir répéter cette série de nodes de manière assez simple. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, on va avoir donc par exemple, alors je vais prendre celui d'origine, on va avoir donc le only message received address pattern ici, qu'on va reprendre de la doc. Ok, dans la doc, c'est le node rouge ici, donc il faut le copier. Celui-là, donc il permet de faire un event ici, un custom event. Et ensuite, donc je suis venu collapser les différents nodes que j'ai montrés ici et qui sont donc dans la doc, ceux de la doc, ni plus ni moins. Et donc, hop, je reviens dessus. Ici et donc à ce moment-là, ça me permet d'avoir en input donc l'event ici, l'exécute et surtout le message aussi bien entendu qui va rentrer à l'intérieur et sortir la valeur comme on a vu en output. Donc c'est un node maintenant qui est un seul et qui en fait en input c'est un message et en sortie donc c'est une value. Donc du coup, on va pouvoir contrôler donc le message que l'on va mettre dans Touch Designer et la valeur correspondant. Et donc du coup, après à la valeur sortant, on va pouvoir ben, là ici cette intensity le mettre sur une pente light par exemple pour créer donc une variation d'intensité. Ok. Donc si on revient sur Touch Designer. Donc sur Touch Designer, c'est pour ça qu'on utilise les valeurs constantes ici. Je reviens sur cette notion-là qui est importante. Sur les constants ici, on va avoir donc le message, c'est le nom donc de la constante, donc LVL1 light R par exemple, light 1 G, light 1 B ici. Et c'est ce message-là que l'on va rentrer qui va nous donner donc la value ici qui est en train de varier en permanence grâce donc au fichier son. Et donc si je reviens maintenant donc sur Unreal, je vois que donc l'OSC message, j'ai rentré donc LVL1 light int pour intensité, c'est exactement le même nom. Donc on peut faire un copier-coller pour pas se tromper entre Touch Designer et Unreal. Et c'est ce message-là qu'il faut donc rentrer. C'est ce message qui va être repris donc ici donc à l'intérieur. C'est ce message string et qui va permettre donc de créer l'adresse pattern qui va être ensuite donc utilisée donc message pour venir donc sortir la valeur donc correspondant au message donc l'intensité. Ok. Donc ça nous permet comme ça de pouvoir donc venir chercher des inputs à travers ce plugin donc OCS ici et de sortir donc une valeur ici d'intensité, ici de scale. Donc là c'est LVL1 cube 1 size et puis je sors donc voilà que je vais utiliser pour resizer donc en hauteur, en largeur et les cubes. De la même manière, je vais en avoir trois ici en entrée. Donc ce que j'ai fait ici, après j'ai fait un copie donc des deux nodes, CTRL C, CTRL V. C'est pour ça que les events ici n'ont plus de nom, c'est custom event. Par contre, on retrouve donc OCS CTRL 2, CTRL 2, 2, ils sont 2, 2, 2 parce que je les ai copiés à chaque fois. Donc ici, mais c'est les mêmes nodes avec les events. Et donc pour l'exécutable, eh bien, je passe de l'un à l'autre ici, de l'un à l'autre ici, et je ressors sur le dernier. Ici, on va donc venir sur le deuxième dans la séquence, par exemple. Hein. J'arrive sur l'exécutable ici, je ressors, je viens sur l'exécutable, la connexion exécutable, et je ressors enfin pour aller sur l'exécutable du set light color. Donc le set light color va donner la coloration donc d'une pont light que j'ai mis en référence ici. Et avant, donc bien sûr, New Light Color, je vais faire un Linear Color avec le RGB ici, en récupérant les trois valeurs au fur et à mesure donc de la sortie des OCS Control 2, 2, 2 et 2, 2, 2. Ici, que je viens connecter sur, voilà, il n'y a pas d'alpha, RGB, hop, et j'envoie donc sur New Light Color ici.
Ok, donc voilà un peu l'utilisation qu'on peut avoir donc dans un cas très simple avec un fichier son donc produit par Touch Designer ici donc ok voilà au niveau de Touch Designer la construction bien entendu Touch Designer est très complet d'abord dans les inputs. Et ensuite, dans les possibilités de préparation des variables, des channels, hein, opérateurs, il y en a plein, et on peut faire des combinaisons préparées pour les préparer pour des différentes sorties. Ici, donc, avec la compilation donc, du merge des différents constants et la sortie ensuite. Donc là, c'est un petit exemple avec quelques fonctions mathématiques qui nous permettent de réguler les valeurs, ce qui nous permet donc ensuite, bien entendu, de changer donc les différentes valeurs. En fait, je terminerai juste pour montrer que en fait, on peut faire varier donc en dehors de manière interactive les valeurs en venant sur, par exemple, donc là, on va avoir par exemple, donc l'intensité ici. Donc on a le RGB, le size, donc le RGB, et là on a donc l'intensité. Donc l'intensité ici c'est une valeur que l'on va donc pouvoir donner constant mat ici, et on a la valeur constant ici. Ok. Donc ici on peut rentrer donc changer la valeur. On peut mettre une valeur plus ou moins donc importante. Et venir donc ici la corriger. Ok, peut-être ça sera trop intense, on va voir justement. Enfin, la corriger donc avec l'opération math. Ici, on a cette valeur-là. On va pouvoir donc, par exemple, faire bouton de la souris parameters et avoir donc le paramètre flottant ici que je vais pouvoir faire varier ici. Ok. Donc, je vais relancer Unreal. Ok, donc dans Unreal ici, je peux récupérer le panneau juste pour montrer donc de Touch Designer et donc là je suis sur compile, save, ici voilà, ok, je ferme ça et ici donc je vais avoir le constant donc play, ok, voilà l'intensité donc ici, ok. Donc là, on a la couleur qui change, les tailles qui changent ici. Et donc, on va pouvoir avoir donc le paramètre constant ici. On peut la mettre à disposition. Là, on est en mode donc interactif et on peut faire varier donc cette valeur-là. Donc ici, par exemple, je vais juste un peu plus agrandir. Ok, voilà. Ici, je peux réduire donc la valeur. Voilà. La mettre à 0 ou l'augmenter donc à 10 par exemple. Donc on voit de manière interactive on va pouvoir envoyer donc de l'information. Ici je le fais au clavier en rentrant une valeur en input hein, bien entendu clavier et souris mais on pourra très bien donc utiliser d'autres moyens d'input sur le PC par exemple comme le casque VR Oculus Rift ou des voilà un clavier qu'on branchera et qui permettront donc de changer bien entendu donc les valeurs au moment où on veut dans le temps réel de Unreal Engine. Voilà, donc là on maîtrise l'intensité et le reste, les couleurs, le RGB, il est toujours géré par donc le son que l'on a donc mis en place en input, ops, ici. Ok. Voilà donc un petit exemple qui permet de pouvoir donc rentrer donc des valeurs input dans Unreal Engine en temps réel. Donc voilà, si on veut rentrer de la musique et rendre interactif pendant qu'on joue, on pourra donc avoir une réaction donc des différents éléments du level selon ce qu'on aura branché par exemple.